Mouli. Et là. Calanche dégage. Oh, la reprise de Benet, c'est but! Superbe Merlin! Et encore une fois, Mouchard isolé. Oh. Et c'est Cornéi là qui est revenu et qui a placé cette tête au-dessus. Franco peut tirer de là. Il doit tirer même la frappe. Elle est belle! Oh, sur le poteau! La frappe de Luca Franco, elle était magnifique! Ah, c'est pas terminé! Et c'est dans les gants de Batty cette fois-ci. Brugmann face à deux hommes, il accélère, Brugmann le centre, et c'est tête de Merlin. Oh là là. Le centre à ras de terre, oh il est tout seul. Oh quel sauvetage encore une fois. Évidemment corner pour les Loups avec Pau au deuxième poteau. Une fois, deux fois, trois fois la tête à côté. Oh, Mouchant à toute allure. Centre et but. Il a trouvé Brugmann juste dans le petit rectangle. Il rentre du coup sur son pied gauche. Mais c'est bien joué, Franco dans la surface. Franco peut marquer, Franco. Il peut marquer, il faut marquer. Et Franco à côté. Ah, ça ne veut pas, ça ne veut pas du côté louvierrois. Nissen, petit ballon piqué vers Mouli. Mouli qui trouve Perbe. Et c'est but 0-3 pour Liège. Franco qui va tirer. Et le poteau à nouveau, oui. C'est incroyable, vraiment, la réussite n'est pas du tout louvieroise aujourd'hui. Il n'y a pas de faute ici, et c'est terminé cette fois-ci. Voilà, monsieur. Leda siffle à la fin du match. Oui, sans doute nos meilleurs matchs à l'extérieur, où on a été solide défensivement et bien en place. Et puis, surtout offensivement, on s'est créé beaucoup d'occasions et on a en plus mis 3 buts. Donc, vraiment un match plein aujourd'hui et de bonne qualité. Ouais. On repart avec les 3 points en faisant un match complet du début à la fin, malgré qu'il y a eu ce petit problème d'éclairage qui nous a un peu perturbé, mais je pense que ça a été, et très fier de l'équipe.